Alors ce soir nous sommes dans le cours 344 d'art dramatique. Alors je parle un peu fort pour ceux qui n'entendent pas au fond. Alors aujourd'hui on va faire un cours très très spécial sur la posture du comédien. La posture du comédien. La posture du comédien. Du comédien, alors la posture du comédien. Je ne sais pas si le soleil vous éblouit. Ce n'est pas grave, on va continuer, on verra bien, Alors. La posture du comédien, c'est une notion très complexe. Ça fait 30 ans que je réfléchis sur la posture du comédien. Je n'ai jamais trouvé la solution. Et puis tout à coup, hier soir, en me réveillant, j'ai une idée et je me suis dit, je vais partager. Alors, parce que si on comprend bien la posture, c'est mécanique, n'est-ce pas? C'est le corps en mouvement, hein? C'est ce qui a trait à la physique. Eh bien non, vous avez tout faux. Ça n'a pas trait à la physique, ça a trait au mental. Oui monsieur, au mental et non pas à la posture physique, parce que la posture physique découle du mental. Et oui, c'est pour ça que j'étais embêté, parce que je pensais comme vous que la posture provenait d'une gymnastique mécanique. Or, Pas du tout, messieurs, dames, pas du tout. Et je suis là pour témoigner. Alors, je veux expliquer que la posture provient du mental, c'est-à-dire que l'on va adopter la posture que nous avons dans notre tête, du personnage que nous incarnons, parce que dans notre tête, on est quelqu'un tout de même. Quand je vous parle, je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a une posture naturelle. Et c'est la posture de ce quelqu'un qu'il faut exprimer devant la caméra. Et le corps va suivre automatiquement. En ce moment, c'est ce que je fais devant vous. J'exprime ma personnalité devant la caméra et non pas une volonté mécanique, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de contrôler mon corps avec les muscles pour étirer mon corps dans tous les sens pour avoir une posture qui serait comme un piquet de clôture, vous voyez? Non! Le personnage dirige la posture, mais d'abord il faut trouver le personnage pour qu'ensuite on adapte la posture. En fait, la posture va sortir naturellement du personnage. Et là, quand je vous parle, j'ai ma posture de mon personnage que j'exprime devant vous. «
Alors, c'est une posture qui vaut ce qu'elle vaut. Elle fait partie de moi, intégrante. C'est pourquoi, lorsque j'imaginais la posture d'Ivan Ivanovitch comme un vieillard déglingué sur la scène, comme on peut l'imaginer, je n'ai jamais pu adopter cette posture d'un vieillard déglingué sur la scène. Je peux le faire, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis plutôt dans cette posture. Et le personnage d'Ivan Ivanovitch, il faut l'adapter à moi. C'est-à-dire qu'Ivan Ivanovitch ne doit pas être déglingué sur scène. Il doit être comme vous, vous êtes. Comme moi, si je l'incarne, je suis. C'est-à-dire qu'Ivan Ivanovitch, il doit être aussi fort que ce que moi je me sens bien dans ma peau. Et ça change tout, parce que le personnage va acquérir une réelle autorité, un réel impact, parce que je défends mon pain, je défends ma personnalité à travers le personnage d'Ivan Ivanovitch. Et donc, quand je défends ma personnalité, elle est beaucoup plus puissante que la personnalité de quelqu'un que j'imiterai, qui serait comme ça, que j'imagine dans ma tête qu'il est comme ça. Si je suis comme ça devant les gens, ça va faire rire un petit peu. Mais ça ne va pas impacter le public. Le public sera beaucoup plus impacté si moi, je suis moi, dans mon personnage théâtral. C'est pourquoi les personnages théâtraux n'ont pas de figure. Ils sont malléables à souhait, suivant la personnalité que vous êtes, vous l'incarnez. Chacun incarne son personnage d'après soi-même. Et là, si j'ai envie de jouer ma vie dans le personnage d'Ivan Ivanovitch, je vais l'incarner avec ma philosophie, mes convictions personnelles, ma force, mes intentions, ma moralité, mes convictions. Je vais lui donner du punch au personnage. Et le public sera enchanté de découvrir ce personnage qui est moi en vérité. Et non pas une copie de ce que j'imaginerais qu'il soit. Et dans la posture d'une copie, on voit bien Ivan Ivanovitch comme ça, un peu déglingué avec sa canne, qui est foutu de la vie, qui est comme ça, qui est un peu un personnage à la Beans, Mr. Bean. Ce n'est pas moi. Moi, je suis plutôt... J'ai une autre personnalité. C'est cette personnalité que le public veut voir, veut entendre, veut comprendre, veut toucher du doigt. Celle que je vous montre en ce moment. Et si j'incarne Ivan Ivanovitch avec cette personnalité, ça devient « Messieurs, dames, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici une conférence. » On veut une conférence, eh bien va pour une conférence, pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun diplôme universitaire. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire au détriment de ma santé, je ne cesse de réfléchir. Et imaginez-vous, qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants
pas précisément ça va. Si vous voulez. Mais tout comme, tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises. La 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 la. Là, je suis en train de jouer Ivan Ivanovitch d'après ma personnalité. Ce qui est tout à fait différent de la personnalité dont on peut l'imaginer. Ivan Ivanovitch, on va l'imaginer à première vue comme un vieillard cassé avec « Messieurs, dames, pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici. » Et dans un but de bien, dans une conférence. On veut une conférence, et bien la bonne conférence. Pour ma part, je vais parler de l'intégral. La 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 la. Vous allez me dire lequel est meilleur, lequel est pas bon. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'enchaîner et de se sentir bien dans le personnage. Ce qui est important, c'est de saisir le public avec son âme, avec ses tripes. Là, aujourd'hui, vous me voyez de plein pied. C'est tout à fait différent lorsque je suis assis. Quand je suis assis, je ne peux pas jouer la comédie. C'est quand je suis debout, et alors là, la scène est trop petite pour moi. J'ai besoin de courir, vous voyez, de m'en aller comme ça, de plonger, de repartir. J'ai besoin de bouger sur scène. J'ai besoin de jouer. Et ça, c'est la posture du comédien. Voilà. La 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 la. Alors, cette posture, pour l'affirmer, pour l'incarner sur la scène, je pense qu'il faut qu'elle parte profondément de notre propre personnalité. Il faut qu'on puisse gérer notre personnalité dans les circonstances imaginaires du personnage. Ivan Ivanovitch, c'est un personnage qui aime sa femme et qui vit des difficultés conjugales. Mais ne serait-il pas heureux tout de même, malgré tout ce qu'il raconte, parce qu'il dit qu'il n'a vécu qu'un seul instant de bonheur proprement parlé. Mais n'est-il pas un peu menteur, un peu gouailleur, un peu hypocrite aussi de dire ça? Et là, il va falloir en jouer, jouer de ses folies, parce que c'est de la folie un peu, c'est de la folie romanesque, c'est de la folie théâtrale. Et quand on aime s'amuser avec le public, on va en jouer de cette folie. On va exagérer, on va
métamorphoser le personnage. Et tout ça ne sera possible que si on adopte la posture du personnage avec son accoutrement. Le personnage a un habit, il a un costume, et dans ce costume, avec sa propre personnalité, on va trouver la posture du personnage que l'on veut montrer au public, que l'on veut exprimer. Cette posture, elle a des intentions, des objectifs. Le personnage, ce sera donc votre personnage à vous, et vous allez transcrire dans la posture ce que vous désirez vous-même dans la vie, vos propres objectifs, qui se reflètent dans le personnage que vous incarnez. Vous faites vivre votre personnalité dans le personnage, c'est-à-dire dans les circonstances du personnage. Mais vous faites vivre votre volonté, votre vie, votre propre morale, votre propre âme. Alors, c'était le cours sur la posture du comédien, parce que cette posture, comme je vous dis, elle me tracasse. Pendant 30 ans, j'ai réfléchi sur cette posture. Bien sûr, comme je vous dis, au départ, je le voyais, Ivan Ivanovitch, avec une canne, vieillard, qui était déglingué, qui était fatigué, qui ne savait pas comment il faut faire. Mais ça, c'est une projection mentale. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas ce vieillard. Donc, Ivan Ivanovitch, il faut que je l'incarne à ma personnalité, à ma façon. Et c'est là qu'il va avoir de la force, de la force. Parce que je vais défendre ma vie à travers le personnage. Je vais défendre mes désirs, mes objectifs, mes plaisirs, ma propre sensation, ma propre vie à travers le personnage. Et le personnage, il va prendre de la force. Il va être dur comme le béton. Il aura une posture de conquérant. Si vous êtes conquérant, évidemment, il aura votre personnalité. Voilà, autrement dit, la posture du personnage, ce sera votre personnalité en posture. Votre objectif, votre scénario dynamique, parce que le personnage, évidemment, il a un scénario dynamique. Le scénario dynamique, c'est l'activité qu'il a sur la scène. Là, en ce moment, vous voyez, j'ai une activité devant vous. Mon activité, c'est un peu de faire le beau. Hein? Vous avez compris. Je me tiens avec une posture de conquérant. Eh bien, Ivan Ivanovitch, je l'habille avec cette posture pour lui donner une force face à mon public. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était la posture du comédien sur scène. Vaille ce que ça vaut, vous comprendrez. En fait, pour bien comprendre, il aurait fallu que je joue toute la scène d'Ivan Ivanovitch avec la posture, pas seulement le début. Mais déjà, c'est pas mal. Ce que le petit morceau même, je peux continuer. Après, ça continue par « Mesdames et messieurs, on a demandé à ma femme de me faire une conférence. On veut une conférence. Va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. » Ça, c'est le premier couplet. Messieurs, dames. Ah, j'ai oublié le second couplet.
Parce qu'en fait, tout s'enchaîne. Quand on prend d'un moment, on désarticule le personnage quand on le prend à partir du milieu, vous voyez. Parce que le personnage, il a une âme du départ qui monte, et qui poursuit, et qui suit une trame. Si on coupe la trame, on ne peut pas reprendre. C'est très difficile. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Mais enfin, vous avez compris, le personnage tout de même, si je l'incarne avec ma personnalité, il aura beaucoup plus de force que si je l'incarne d'après une projection que j'en ai. Voilà. C'était la posture du comédien. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 344 d'art dramatique. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis au revoir à demain. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.